Prends un beau soleil d'été. Vouloir se balader. Vouloir faire une nouvelle expérience. Il y avait seulement 10 ans. J'ai fait l'expérience de Madame Sarah comme une petite expérience. Je souhaite le faire. Je suis montée, je ne vois pas monter dans le camion de Madame Sarah. Le camion entend lever la tête. On voyait la tête du camion remplie de marchandises. Des marchandises succulentes. Des mondes. On a tous les mondes. Tout se demande, hein. Quand on se souvient des mondes français. Mango cannelle. Oh, des mondes. Que j'apportais à la ville. Je passe mon aimant dans tout ce bateau, des abricots. Quand je dis abricots, ça fait un jeu des abricots. Et puis on admirait, on pouvait admirer. Ces belles marchandises sur la tête de la caméra, c'est comme une décoration. De gaieté de cœur, je montais dans le camion de mon instinct. Des personnes silencieuses. Silencieuses et distinguées. Et je me glissais au fond du camion, accompagnée de ma mère. Et j'observais. J'observais. Je pourrais dire que j'étais parmi du bon monde. Je ne voyais pas leur sourire, mais elle n'était pas fâchée non plus. Là, on dirait que quand j'y pense, peut-être qu'elles réfléchissaient, elles avaient un gros boulot. Elles devaient porter la marchandise et retourner avec eux. Bonjour, le fou de votre et c'était, on peut dire, peut-être souciante. 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 Et pour moi, toutes ces femmes-là ensemble, nous n'en prenons pas beaucoup. En ville, toutes ces femmes ne pouvaient pas rester ensemble sans m'en parler. On va en parler. On va en parler. Que l'on pouvait bombarder en ville. Il fallait connaître ces marchandes. On dirait que qu'elles font plus d'action que de parler, bombarder. Pas de temps à perdre à bavarder. C'était des femmes. C'était beau d'observer ça.
de faire la connaissance avec ces personnes qui travaillent dur et qui nous apportent la nourriture en ville. Voyage. Et j'avais un léger malaise. Ma grand-mère n'a même pas eu le temps de voir cela. Je cachais mon malaise. Tellement je me voyais parmi les gens distingués et je ne voulais pas venir. Et l'un a pu voir, et sur les mères, l'un a pu voir mon malaise et a crié. Oh la petite fille, elle se sent pas bien. Elle se sent pas bien. Et on a bien vite dégagé le chemin. Faire le chemin pour que ça se passe dessus. Derrière. D'aller sur le vent. Respirer le vent. Oui. Vivre en ville et ne jamais connaître. Comment vivre ces marchands qui vous apportent la nourriture chaque jour. Et elles ne vont pas dormir en ville, elles vont retourner par la même occasion. Elles ont leur foyer, elles ne peuvent pas laisser leur foyer comme ça. J'étais fière. Vous savez ça? Au fond de notre corps, ce que l'on ne dit pas, au fond. Je peux dire que je peux connaître.